Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, allô, grand frère Colani. Le cofondando, Mouraudioa. M'le d'accord. Mila poussé, analysa, basso incovidé. M'le d'accord. Allô, bonjour, Patrick. Colani, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Patrick, est-ce que c'est ça la priorité des Togolais aujourd'hui? Donc vous êtes d'accord avec Jeannot qu'il faut des priorités? Non, il faut des priorités. Hein? Excusez-moi, sincèrement, moi, ces pouvoirs décentralisés sont plus médiocres que le pouvoir central. Mais ce n'est pas possible. Hein? À l'heure où la vie devient plus chère, les enseignants sont en grève. On a brûlé deux grands marchés, on n'a pas encore trouvé les auteurs. Un colonel a été tué dans son camp, il est toujours à la morgue. Et celui qui fait ça dans sa mairie, si j'ai bon mémoire, c'est un ex-chef d'études de l'opposition, un chef d'un parti, et qui a eu la chance d'être maire là-bas. Et il trouve aujourd'hui que la priorité pour lui, c'est de faire ça. Non, il faut pas. Ce peuple a trop besoin de sa liberté. Hein, sincèrement. Et changer les rues, le nom, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça la priorité aujourd'hui. Sincèrement, ce n'est pas ça la priorité. Et il est maire là-bas, il n'a qu'à voir comment est-ce que les gens souffrent dans sa mairie. Comment les aider pour qu'ils puissent manger? C'est dans sa mairie qu'on a brûlé un marché a été incendié la fois passée, non? Oui, mais M. Colani, est-ce que vous ne le comprenez pas aussi? Il dit qu'il faut un adressat qui milite en faveur de la cohésion sociale nationale, prôner la réconciliation des populations. Oui, c'est normal, non? La cohésion sociale, c'est ce que nous demandons, non? Cette cohésion sociale, c'est pourquoi nous demandons les politiciens qui n'ont qu'à demander au chef de l'État de libérer les prisonniers politiques. On s'y en a mis ici, les gens rentrent. C'est ça la cohésion. Si il veut dire la priorité, ça c'est dénommer les rues, c'est ça la cohésion. Non, Patrick, sois un peu sérieux. C'est le 21e siècle, l'heure de la lumière. S'il parle de la cohésion, c'est les rues là maintenant qu'il a dénommé, qui va donner la cohésion. Non, moi j'ai pas grand chose à dire que. De dire aux Togolais, c'est l'heure de la lumière, ne vous laissez pas berner. Les gens ne vont pas vous utiliser comme des bétails électoraux. Puis ceux, on a vu aussi, on les demande qu'ils vont aux élections, chaque fois les élections, oh, le peuple ne trouve rien dans ces élections. C'est pourquoi moi je demande, s'il n'y a pas eu la vérité des urnes passées là, il ne faut pas que le peuple aille encore dans les urnes. Et puis la priorité des Togolais aussi, il faut savoir ce qu'on a voté la fois passée. Ça aussi c'est très important, Patrick. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il faut prioriser aujourd'hui les besoins des Togolais et trouver les moyens pour satisfaire ces besoins. Et Béa est comme une Golf 4. Les Tonamibé yo en négociation et est très rue. La changer Niko et non à Kwenamaou. Et nous n'y a rien nous barayo. Donc, Kintia, 13 rues ont déjà changé ni quoi. Ni quoi que y ait et mon déjà porté Béa. Ni quoi l'histoire amé. Et y a mes dodoué. A mes pépéon. Mais ni quoi. Nemiso, par exemple, et moi qui y a tort. Rue Namoro Karamokoa. Et par exemple, David Valéi et Devia Lenenebenu et bien rue Namoro Karamoko. Vous avez ni Namoro Karamokoa et la bio à mes gants yola expliqué ni. Founoumea. On peut voir les fions histoire de via la fille de Pépé. On explique de via à Mekeni Namoro Karamoko. Et nous qui avons indépendance de Gamé. Namoro Karamoko a porté valeur de haut. Namoro Karamoko a défendre et Togo be Djouakpata. Et Djouakpata est défendre. On défend parti politique. Namoro Karamoko a avouna indépendance. Yo, devient la yo. Donc, Namoro, monsieur Namoro Karamokoa, yo, à mes deux beniva yé,
devia lano la jibe ya no po yedo kwe le namoro karamukome opera donc ayez you vona les fiebe socialisation anticipatrice devia la jibe le bak bemea ya di namoro karamuko ya wonu sibe namoro karamuko nene opera. L'histoire est très importante dans la lutte, n'est-ce pas, d'une nation, mais pas seulement dans la lutte. L'histoire est très importante dans la vie de toutes les générations. Parce que nous, on a pour histoire, on a le colas en droit. Et l'histoire est un facteur de détermination, d'abnégation et de prise de décision correcte pour avancer. Voyez nous que Miami les blancs les filles allez. Ok, aujourd'hui dans les Nikoné très orior, voit un bani b batrozou. Instrumentalisation politico mi b un bani b batrozou instrumentalisation politico mi b parce que egbea nous quelle vidéo et nous quelle vidéo ni attenance et nous quelle vidéo ni b adolé ou togovio et nous quelle vidéo et ni réformons. Réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle, réforme politique. Né à Péto Jean-Pierre Fabre, Kudo Mary Golf 4, au Djagbagba Kakao en négociation, yo les Tronicona 13 rue, les Togoa. Mais yon ton les blancs les déclarations, mais obé négociation avec Tukaram Nanyo l'obé Iboko. Mais donc, ami les bios, ni Djapagba, ni Bagba, même négociation, ni alternance, Bavana Togovio Pata. Ni bété ou négociation, yo changé 13 rues au Benikoa. Mais ni Djapagba, ni Bato en négociation, ni alternance, Bavana Togovio Pata. Parce que ni alternance, va soi. Oh, Nkani. Rue Obeniko, on l'a dans les rues Obeniko, on l'a dans les rues Obeniko, même aéroport, Obeniko, on l'a dans les. On l'a sonné quoi, Dodoué, Oniko, Niko, qu'on a histoire à mère, sonna et nous gang 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 gang. Donc, et nous, quelle veuve d'aller, Mingbeo, 13 rues, on l'a dans les Niko, non, vois mouiller les veuve d'eau. Mille les vidéos, ne mille les bombes, ne bêtin ou négociation. Yo doli 13 rue obéni quoi, ne tchababa baba en négociation. Ne barre alternance va. C'est tout. Et nous qui mille les bien se boit pour un. Et nous sommes namoro karamoko, namoro karamoko mou, et ou lutte na togo elo. Namoro karamoko mou ou lutte na parti politique. Namoro karamoko mou bombe mou se moulo. Namoro karamoko mou blanc le yebak bimebe mou se mou. Namoro karamoko a. Ewo avuna togo pataye. Donc a. Mila biosou mia togbo bene. Wacha papa. Ne togo a. Be intérêt. Ba non non. Wabe nou wonome. Mary Golf 4 a. Et Dieu a promis que nous avons 2 milliards d'excédents budgétaires. Voir, soukoul les fonds, soukoul les bancs. Gotto les fonds. Et nous adorons les mairies. Les mairies. Nous avons dit que 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 2 milliards d'excédents budgétaires. Nous avons excédents budgétaires. Quand les besoins existent, c'est un ratage économique. Bédé, et mille tonobé,
il faut anticiper, il faut planifier, il faut faire des prévisions, calcul de prévision. Et nous avons fait des gavakboa, nous avons ventilé gars. Et nous avons mis des gens, nous avons mis avec un tol de mes filles. Et nous avons cité les bébés, nous avons changé, nous avons fait des gens. Nous avons voix. Mani instrumental, instrumentalisation politique. Donc, quand il y a un héros attendant ça, Rion, il a changé, garé, pépé, gamé. Il faut qu'on se penche vraiment sur les priorités des priorités. Et bien, Yanni, grand frère Colani, folie bête poda. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.